Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. Il est 8h25. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Vous êtes présidente de la région Occitanie. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Les régions dont l'une des compétences est la gestion de nos lycées amènent bien entendu des questions. Qu'attendez-vous, vous, de la prise de parole du Premier ministre ce soir concernant particulièrement les lycées et nos lycéens ? Mais j'attends que le Premier ministre donne lien au personnel au lycée de voir faire au maximum. Alors, je me permets de vous interrompre tout de suite, Madame Delga, on va vous prendre au téléphone. Vous savez que parfois nous avons des difficultés de liaison en ce moment parce que les liaisons sont très compliquées. Donc voilà, on vous a basculé sur le téléphone avec notre ami Patrick Tégéraud. Et donc, on peut reprendre votre réponse dès son début si vous le voulez bien. Je suis désolé. Faut-il fermer nos lycées ? Non, je ne pense pas qu'il faille fermer nos lycées. Il faut continuer à mixer un maximum de présentiel et un peu de cours à distance pour éviter le décrochage scolaire. Nous avons vu au printemps de fermer les lycées. Cela a fait que de nombreux jeunes ont complètement décroché en termes de niveau d'enseignement, mais aussi en termes de socialisation. Donc là, il faut donner un peu de temps pour que nous organisions nos lycées de façon que les cours se passent en toute sécurité, en présentiel, et qu'il y ait une part aussi de distance. Mais les lycées doivent continuer à être ouverts. On ne peut pas sacrifier notre jeunesse. Il faut leur permettre de venir dans nos lycées. Mais que peut-on faire de plus pour améliorer la situation ? Alors j'ai envie de vous dire au jour le jour. Alors, ce qu'on peut faire de plus, c'est tout d'abord d'avoir des consignes claires et ensuite de donner le temps de la concertation. J'ai demandé la semaine dernière au ministre de l'Éducation nationale qu'il y ait au moins une demi-journée où les lycées soient fermés pour que les proviseurs, les personnels de direction, les enseignants, les représentants des élèves, mais également des parents d'élèves, puissent tous se réunir pour bien organiser la circulation, pour bien organiser aussi les emplois du temps, pour que cet enseignement soit assuré en toute sécurité. Et bien entendu, nos agents dans les lycées sont tous motivés pour donner le meilleur à notre jeunesse. Quelles sont les informations qui vous remontent des établissements en ce moment ? Et je pense par exemple à une idée, est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de maintenir les cantines ou qu'il faudrait les fermer ? Chaque établissement est différent. Nous avons 225 lycées publics en Occitanie. Ce qu'il faut, c'est faire de sur-mesure. Il faut s'adapter aux réalités du terrain. C'est pourquoi j'ai demandé que pendant une demi-journée, l'ensemble de la communauté éducative puisse travailler pour organiser de façon très pratique toutes les questions de circulation, toutes les questions de désinfection dans les cantines, mais aussi dans les salles. Voilà, prenons juste une demi-journée pour se poser, pour travailler de façon adaptée au terrain. Et ainsi, nous aurons un enseignement qui sera vraiment en toute sécurité avec un maximum de présentiel. Donc vous attendez beaucoup de cette demi-journée qui pourrait être consacrée à finalement une prise de parole commune avec tous les acteurs du dossier. Est-ce qu'il y a des clusters dans votre région ? Non, il n'y a pas de cluster dans les lycées. Vraiment, nous avons fait en sorte de distribuer des masques. Je rappelle, c'est 4 millions de masques qui ont été distribués dans les lycées depuis la rentrée. Et nous avons aussi recruté des agents dans les lycées de façon supplémentaire pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle considération sanitaire. Alors, ce chiffre de 4 millions est très impressionnant. Excusez-moi de la question, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils les mettent, leurs masques, nos lycéens ? Oui. Nos lycéens mettent les masques, il faut vraiment le rappeler, que ça soit dans les transports scolaires, que ça soit dans les classes, et il faut également inciter, c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des encadrants pour leur rappeler la nécessité de porter, mais globalement, les lycéens portent le masque. Dans votre région, il y a des villes à très forte population étudiante, et c'est ce qui en fait aussi le charme. Est-ce que vous avez des difficultés à faire respecter les règles ? On s'interroge de plus en plus pour savoir si ce soir on va avoir un tour de clé supplémentaire sur ce qu'il faut réouvrir ou au contraire peut-être fermer. Comment ça se passe ? Est-ce que la population se comporte, on va dire, correctement par rapport aux consignes qui sont données ? Je pense qu'il y aurait besoin d'avoir un peu plus de contrôle. D'ailleurs, je suis un peu étonnée du silence de M. Darmanin sur ce sujet. Il faudrait qu'il y ait en effet des contrôles sur parfois des rassemblements qui ont lieu dans des familles. Il faut avoir quelques exemples où il y ait des sanctions parce que
au sein du cadre familial, voilà, dans la sphère privée, il y a parfois des rassemblements au-delà de 6 personnes, et c'est ce qu'il faut sanctionner. Donc il faut s'occuper de ces sujets-là, et c'est ainsi qu'on permettra d'avoir une baisse de la contamination du Covid, et qu'il puisse y avoir une ouverture département par département des commerces, parce que la situation sanitaire est très différente d'un département à l'autre, et y compris en Occitanie, entre par exemple le Lot et le Gard, le niveau de contamination n'est pas du tout le même. C'est très intéressant, vous nous dites qu'il faut en quelque sorte faire de la haute couture, tout est différent, et en tout cas vous réclamez une demi-journée d'organisation pour pouvoir faire le point avec l'ensemble des acteurs du dossier. Merci beaucoup Carole Delga, vous êtes présidente de la région Occitanie, et grand merci aussi à Patrick Tégéraud qui était à vos côtés.